fixe, parce que le faire pour de vrai, c'est pas top. C'est de couper son crayon. Alors, il faut le couper à peu près. En fait, il faut imaginer que cette partie-là est dans votre nez. Donc, cette partie-là, on va pas l'utiliser, tout simplement. Donc, vous allez placer votre crayon à peu près comme ça. Vous allez prendre à peu près par là et à peu près par là. Et en fait, toutes ces parties-là, vous allez l'enlever. Moi, j'ai déjà coupé mon crayon. Donc, je l'ai coupé en trois. Le haut que je vais mettre, bien sûr, en haut. Et le bas que je vais mettre en bas. Et ça, ça on va pas l'utiliser. Et ça doit faire normalement la longueur de mon nez. Voilà, tout simplement. Maintenant, une fois qu'on a coupé notre crayon, on peut appliquer une petite couche de latex ici, au niveau de là où on va poser le haut de notre crayon. Alors, pour poser le haut de notre crayon, il faut qu'il soit à peu près dans le même angle que celui du bas. Donc, on va mettre notre bas de crayon dans notre narine et on va voir à peu près l'angle qu'on veut. Moi, je pense que je vais le mettre comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je prends du latex avec mon doigt et j'en applique juste à l'endroit où je désire mettre mon crayon. Je vais le poser sur le latex et je vais attendre qu'il sèche un peu. Une fois que j'ai réussi à faire un peu tenir mon crayon, je vais prendre de la Plasterwax et je vais en appliquer un tout petit bout au niveau du bas du crayon pour faire comme si c'était en fait mon nez et que le crayon rentrait dans mon nez. Voici le bout que je vais prendre. Je vais l'appliquer comme ça. Hop. Ensuite, je vais dégrader la Plasterwax sur mon nez. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez prendre un petit peu de latex et recouvrir la wax pour que cela tienne un peu mieux. Maintenant que l'on a terminé avec le haut du crayon, on va s'occuper du bas. Alors, pour rentrer le bas du crayon dans notre nez, on va utiliser un petit bout de mouchoir que l'on va enrouler autour de notre crayon. Et tout simplement, on va le mettre dans notre narine. S'il y a des écritures, essayez qu'elles soient dans le même sens que le crayon du haut. Essayez de mettre le crayon dans le même angle que celui qui est en haut, à peu près comme ça. Pendant que le latex que j'ai mis en haut sèche, on va appliquer du rouge et du noir. On va prendre un pinceau d'à peu près cette taille-là. Et on va s'occuper tout de suite du rouge. Alors le rouge, on va l'appliquer autour de notre nez. On va l'appliquer aussi sur notre crayon. Un petit peu au commencement du crayon. Et ici. N'oubliez pas que votre crayon normalement a traversé tout votre nez, donc il doit être un peu recouvert de sang. On va réappliquer un petit peu de fond de teint. Maintenant, avec le pinceau que l'on a utilisé tout à l'heure pour appliquer le fond de teint, on va mettre du rouge un peu au niveau de l'endroit où le crayon sort. Maintenant, avec un pinceau un peu plus petit, on va appliquer du noir. Alors, on va appliquer le noir. Pareil, au niveau de mon nez. Après, ici. Au niveau de la sortie du crayon. On va estomper bien sûr la couleur. Maintenant, on va appliquer du faux sang. Un peu au niveau de l'entrée du nez.
Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si tu n'as pas liké la vidéo, même c'est un commentaire agréable. C'est une vidéo FX très simple que tout le monde peut faire. Il suffit d'avoir du latex et une pâte au wax et bien sûr un crayon. Et voilà, il ne faut pas avoir un énorme potentiel en FX pour pouvoir faire ce maquillage là, puisqu'il est vraiment très simple. Par contre, comme tous les maquillages FX, après vous en avez plein sur les doigts. Là ça va, je ne l'ai pas foutu partout. Par contre, j'ai du latex sur mon habit, donc ça c'est pas top du tout. Donc je vous conseille de mettre une protection. Et voilà, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je vous fais d'énormes bisous. Ciao.